d'offrir un guichet unique à toutes les entreprises, qu'il s'agisse des TPE, des ETI ou des grands groupes. Il faut les accompagner dans leur recherche et notamment dans la recherche de financement au niveau européen. C'est une priorité que nous a demandé de mettre en œuvre le président Wauquiez. Nous avons d'abord les services en interne, mais ce qu'on appelle notre bras armé, entre guillemets, c'est-à-dire l'agence économique, qui a une cellule dédiée avec un dispositif qui s'appelle Incube Europe, que la région finance, où les entreprises sont accompagnées par du personnel compétent, spécialisé en matière de recherche de financement européen. Mais quand le dossier est très pointu, sur un sujet très particulier ou un domaine d'activité très particulier, la région finance à hauteur de 200 000 euros par an des prestations extérieures avec un vrai effet levier, puisque nous prenons à notre charge 80% de la dépense pour que le dossier monté par l'entreprise colle au mieux, entre guillemets, au cahier des charges qui va être mis en œuvre par l'Union européenne, puisque vous savez, c'est 500 millions d'euros qui sont en jeu chaque année au niveau de Auvergne-Rhône-Alpes. Et traditionnellement, la France n'est pas très douée pour monter les projets européens, et donc c'est une priorité que le président de la région nous a demandé d'améliorer le retour des fonds européens, notamment sur le volet industriel en Auvergne-Rhône-Alpes.